Et bonjour, bienvenue sur un nouveau jeu qu'on va faire les après-midi. On va faire Metroid Prime 2 Echoes. On va le faire à 100% évidemment. Comme la plupart des jeux Nintendo, j'aime bien les faire à 100%. Et puis celui-ci, on l'a déjà fait à fond sur la chaîne YouTube. Clic, il n'y a plus de musique. Clic, et la musique du jeu. Ah, petite musique de trilogie là. Merci Myrdark pour le 23e mois d'abonnement. Merci à toi. Clic. On est là. Il faut choisir son fichier de sauvegarde. Donc on va partir sur cette partie là, mode 1 joueur, Metroid Prime 2 Echoes. Alors le truc c'est qu'il nous propose normal, vétéran, hyper mode. Hyper mode on l'a fait la dernière fois avec Metroid Prime, c'était très chiant. Personnellement je trouve ça ridicule hyper mode, parce qu'en fin de compte c'est juste buffer les mobs. Il n'y a pas vraiment de différence, mis à part le fait qu'on fasse moins mal et que les mobs soient plus violents. Donc je vais refaire une partie en mode normal parce que j'ai envie de chill et envie de m'amuser. Et pas envie de tryharder, je veux juste m'amuser. Voilà, donc on va rester sur un mode normal. Ah, oh la Wii U, elle fait du bruit quand elle charge le disque. Rapport de mission numéro 02546. Il y a 8 jours, le contact avec l'unité Bravo des troupes de la Fédération Galactique a été perdu. Terme du contrat. Localisez les troupes de la Fédération et portez leur assistance. Confirmation des données. La dernière transmission reçue provenait d'une planète rebelle appelée Aether, située dans la région de Dasha. Ou Aether. Chargement des dernières coordonnées connues. On dit Aether ou Aether, selon vous ? Je sais pas si le son du jeu est assez fort, on va voir quand on arrivera. Ouais, si ça va. C'est assez fort. Alors évidemment, on joue sur la Wii U, donc ce sera pixelisé, hein.
Mon vaisseau a été touché par un éclair. Incroyable. Je fais tomber le Nunchuk, tout va bien. Reviens là. Voilà. Ce vaisseau est tellement classe. Je crois que graphiquement, enfin au niveau du design, je crois que c'est le vaisseau que je préfère. Je pense qu'on va monter un peu le son du jeu, hein. Ouf. Alors, est-ce qu'on peut monter le son du jeu quelque part? Peut-être ici. Option. Son. Volume. Tout est à fond en fait, hein. Volume musique c'est à fond. Volume des effets spéciaux c'est à fond. Réglage par défaut. Ouais. Donc je vais juste très rapidement couper l'écran et monter le son. Voilà, je le monte de 20%. En espérant que ce soit bon. Pas que ce soit trop fort non plus, quoi. Donc là, on peut voir qu'au niveau des analyses, je suis à 100%. Parce qu'en fait, le jeu, je l'ai déjà terminé à 100% sur ma chaîne YouTube, comme je disais tout à l'heure. Et donc là, il va falloir qu'on fasse un 100% objet. Mais rassurez-vous, le prochain Metroid Prime qu'on fera, ce sera le 3, que je n'ai pas du tout fait sur ma chaîne YouTube. Et du coup, là, il faudra qu'on fasse un 100% analyse et objet. Mais pour le coup, on a déjà tout analysé, hein. Alors. Donc là, on a le double jump. On a le double jump, pardon. Donc le saut spatial. On sauvegarde. Ok. Ça valide le fait que notre partie commence. Donc là, contrairement au premier, on n'a pas perdu notre équipement. Hein. On est plutôt pas mal. Pour le moment, évidemment. Donc là, on va pas pouvoir aller bien loin. Impossible d'actionner les commandes d'ouverture. De la porte! Langage alien inconnu. Ok, il va falloir qu'on passe par ici. C'est l'ultima. Yo vidéo. Ok. Alors, reste appuyé sur 1. Ah oui, c'est là-haut. Ok. Structure de sécurité blindée. C'est vachement blindé, dis donc. Hein. Ouais, je suis sur la Wii U là actuellement. Est-ce qu'on peut exploser ça à coup de... rien de puissance? Non. Je crois qu'il y a un petit trou à prendre. Quelque part, non? Ah, ici. Ah, si je commence à m'y perdre... on n'est pas sorti, hein. Voilà, on a la map. Nice. Je vais télécharger la carte de cette région. On peut appuyer sur A et du coup la voir, hein. Donc la carte... elle est faite exactement comme dans le premier. Plutôt bien foutu la carte. Ok, il y a des cadavres. Tiens vous. Il peut faire nécessaire de recharger. De charger, ok. Allez-vous-en. Ça va passer. De la vermine, ça, hein.
Woolmorphing. Hop, petite bombe de puissance. On se met bien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est ça qu'il faut que je fasse, hein. Hop. Oh là là, doucement. Voilà. J'ai l'hypoxide. On a reçu un signal de détresse. Enfin, pas de détresse, mais on a perdu le contact avec la... Avec la Fédération Galactique qui s'est posée ici. Et donc on doit venir sur cette planète pour voir ce qui se passe. Ah, il s'était gavé sur les musiques aussi. Ok, ça c'est fait. T'as révisé avant ou ça va être galère, misère pour le 100% analyse. Il est déjà fait le 100% analyse. Vu que j'avais déjà terminé le jeu sur ma chaîne YouTube, 100% analyse a déjà été validé en fin de compte. J'ai juste à faire le 100% objet. Par contre, le jour où on fera Metroid Prime 3, il faudra vraiment faire le 100% analyse. C'est la même histoire que pour le premier, donc ouais. En fait, il suffit que sur le fichier de sauvegarde, j'ai terminé le jeu une première fois à 100% avec, avec les analyses. Et à chaque fois que je reprends une version, enfin une partie, ça va garder les analyses. Puisque je suis sur le même disque, la même console sur laquelle j'ai joué sur YouTube. Ça a pas changé. Ça commence à dater la dernière fois que j'ai fait ce jeu aussi, hein. 2015-2014, je sais même plus. Bah le 3, le problème, Chibi, c'est que... Eh bien, au mois de mars 2020, j'étais sur le point de sortir la série sur YouTube. Merci, Jules. Pour l'abonnement Prime, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Et ce qui est con, c'est que je vais les garder du coup, comme à l'époque j'avais gardé Wario Land 3, parce que il y a très longtemps, bah, quand je faisais mes vidéos sur Dailymotion, j'avais fait Wario Land, Wario Land 2, et j'étais sur le point de faire Wario Land 3, sauf que l'émulateur sur lequel je jouais a crash, mais j'avais quand même enregistré quelques épisodes, donc j'ai gardé les vidéos, je les ai toujours. Et c'est pareil pour Metroid Prime 3, j'avais l'intro, la mise en page, et j'avais tourné deux épisodes. Et c'était sur le point de sortir. Au top et toi sur le backout, ouais ça va. Je suis un peu fatigué parce que j'ai dormi que 3 heures cette nuit là. J'ai pas réussi à dormir encore une fois. J'ai fait l'effort de me coucher tôt. Et j'ai pas réussi à dormir. Du coup je me suis levé, il était 7 heures là. Enfin quand j'ai couché tôt, c'est un grand mot évidemment mais... Combinaison de combat Chozo, version nana, j'ai perdu. Micropropulseur, saut spatial, désactivé. Rayon grappin, désactivé. Unité boule turbo, désactivé. Générateur de bombe de puissance, désactivé. Lance-missile, désactivé. Boule de bombe de boule morphing, désactivé. Tout le système en ligne est actif. Bon, et bien voilà, on a perdu toute notre puissance. Je peux même pas jump avec la boule. J'ai toujours mon rayon de puissance par contre.
T'es couché à 7h pour te lever à 10h. Bah voilà, t'as dormi autant que moi. T'as dormi autant que moi. Calmez-vous. Calmez-vous. On avance. Hop, je récupère ça. Nice. Vladi, merci pour le 7e mois. 7 mois. Mon Dieu, que le temps passe vite. Oui, le temps passe vite. Il passe tellement vite qu'on était en train de se dire c'est quand la dernière fois que je joue à ce jeu, et je crois que c'est 2015, pour te dire. Donc ouais, le temps passe. Écoutez, on va aller à gauche, hein. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Il faut que j'explose ça, là. Tiens. Tiens. Laissez-moi passer. Utilise le viseur d'analyse pour collecter des informations. Oui. Scanner les objets et les créatures pour obtenir des informations utiles. Alors le truc c'est que j'utilise jamais. Enfin là on va pas l'utiliser correctement puisqu'on a déjà le 100% analyse donc bon. Donc ouais du coup étant donné que j'ai pas dormi énormément longtemps, il est possible qu'on se fasse une session de pas trop longue. Juste histoire de se mettre dans le bain là. Et demain après-midi on pourra se mettre à fond dessus. Puis il faut que je me tienne psychologiquement prêt parce que ce soir on termine Fitzpatrick. Donc ça va être le bordel. Et pour le coup même si c'est triste, je vais bien être content qu'on l'arrête. Hop là. Ouais, c'est la fin de Fitzpatrick ce soir. Enfin, de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est ce qu'on s'était dit. Qu'on allait mettre fin à Fitzpatrick ce soir. C'est Pixie. Merci à toi. Terre du Temple. Alors. Ou alors calmez-vous. Mais imaginez, je me serais mis en vétéran, il aurait fallu que je leur tire un milliard de fois dessus là. Mais arrête ça. Ouais, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai commencé une nouvelle partie en mode normal. J'ai pas pris vétéran, j'ai pas pris hyper mode. Juste mode normal. J'ai envie de jouer chill, sans me prendre la tête. Parce que la dernière fois que j'ai fait un hyper mode, c'était sur Metroid Prime et c'était ridicule. Le nombre de points de vie qu'avaient les boss. Donc j'ai décidé que cette fois-ci, nope, je me prendrai pas la tête avec ça. Je crois pas que je puisse y aller là-bas. Peut-être que j'ai le double jump. Ouais, c'est la suite de celui que j'ai fait il y a pas longtemps, exactement. Non, je vais pas pouvoir y accéder tout de suite, je crois pas. Faudra le double jump là. Yep. Là c'est pareil, hein, c'est trop. Ouais, double jump ici, il faut. Hein. Ok, bon, on va aller là-bas. La différence entre vétéran, hyper mode et normal. Bah, c'est mode normal quoi. Le mode vétéran c'est le mode juste au-dessus du mode normal. Donc le jeu est un peu plus dur. C'est-à-dire que les monstres ont plus de PV et tu fais un peu moins de dégâts. Et l'hyper mode c'est exactement la même chose sauf que c'est encore plus de PV pour les mobs et encore moins de dégâts que tu leur donnes. Donc en gros tous les mobs c'est des sacs à PV.
Et l'idée derrière tout ça, c'est d'essayer de prendre le moins de dégâts possible, quoi. Alors c'est bien. Mais alors face à certains boss, qu'est-ce que c'est chiant. En tout cas, j'ai goûté à ça avec Metroid Prime et je m'étais juré de plus jamais le refaire. Parce qu'au final, le jeu est excellent, j'adore le jeu. Mais j'ai pas du tout pris plaisir à faire l'hyper mode parce que c'était c'était pas fun en fait. C'était pas fun. Transmission a échoué en raison des interférences atmosphériques. Retrouvez pas, il est sorti en un jeu qui a rassemblé la trilogie sur Wii. Non, ouais, c'est ça. C'est le sur lequel je suis en train de jouer là. Le Metroid Prime Trilogy. Alors. On va exploser ça. Dis donc. Il y a un petit trou là. Toujours moins beau que la version GameCube. Personnellement, je vois aucune différence entre la version GameCube et la version Wii. Honnêtement, hein. À part quelques détails qui sont dans le gameplay useless. Oh. C'est pas la mort, hein. Mais de toute façon, ils vont nous sortir la trilogie sur Switch en version HD. T'inquiète. Cycle 07142 Cosmos. Rapport final. SMFG, je sais pas quoi. Voilà. Au cours d'une mission de patrouille dans le système de Dasha, nous avons engagé. Mais ça va trop vite les dialogues là-haut! Regarde-moi ça! Salut Olivier, comment vas-tu? Salut Superman. C'est ça Pixie, ouais, c'est dans le Metroid Prime 3 que tu pilotes un engin. Ça va Olivier. Effectivement, ouais, les X ils sont pas encore là quoi. Parce que là au niveau de la chronologie, si tu veux, on a pris une autre branche sur le sur la chronologie. Il faudrait qu'on puisse retrouver l'image que j'avais partagée, je crois, avec Dread, de la chronologie des Metroid. Parce qu'en fait, il y a une branche qui sépare Metroid 1, 2, 3, 4, 5, donc le 5 c'est le Dread. Il y a une branche qui part pour faire les Metroid Prime. Metroid Prime Hunter, Metroid Prime Federation Force. Et Metroid Prime 4 du coup. Donc le prochain Metroid, c'est Metroid Prime 4 qui devrait sortir normalement. Et ce Metroid Prime 4 ne sera pas la suite de Metroid Dread. Ce sera la suite de Metroid Prime 3. Dans la chronologie. C'est le Nakira. Okay, donc j'ai pas lu les dialogues parce que c'est allé trop vite. Hein. Ok. Alors là-dedans. La map. Ok, la carte de la région a été téléchargée.
Donc évidemment, il y a des portes qu'on peut pas ouvrir, hein, la rouge et la jaune. Il va falloir qu'on passe par la porte bleue. Je sais plus s'il y avait des choses à choper par là-bas. Non. Il y avait des choses à analyser en revanche par ici. Alors la porte, bah tiens, il va falloir que j'active ça. Voilà. Dans l'ordre, c'est Metroid Prime 1, Hunter Prime 2, Prime 3, Federation Force. Metroid 2, Samus Return, Super Metroid, Other M Fusion Dread. En gros, c'est ça. Là où c'était pour faire quoi déjà? Attendez, il veut qu'on aille où là? Faudrait qu'on prenne la porte bleue là-bas, mais la porte bleue là-bas est fermée. Il nous faut un... comment? C'est fermé derrière un portail en fait. Il n'y a pas d'item à récupérer dans la zone? Je crois pas, hein. Et là-bas, il faut un missile. Tiens, on peut passer par ici. Et ça du coup... Ok, c'est une autre arme qu'il faut. J'essaie de me repérer un petit peu là. Ça faisait longtemps. Donc ouais, là il faut vraiment qu'on aille voir un habitant de cette planète pour apprendre ça. Donc on va devoir faire demi-tour bêtement. Salut tonton, ça va? Non, c'est pas par ici. Donc il y avait bien un truc que j'ai loupé de ce côté-là. Je vais aller trop vite et du coup je passe à côté de tout ce qu'il faut. Alors, faut aller récupérer quoi? Parce que ça, on peut pas l'ouvrir. Ok. Il y a des cadavres de partout, c'est triste, mais c'est comme ça. Et ici, il n'y a pas de missile à récupérer, hein. Nope. Pas monter. On peut juste passer par là et on peut se faire propulser, c'est tout. Propulser qui nous avance, qui nous ramène là-bas. On y retourne. Ok. Est-ce que de base on peut pas monter par ici? Si? Non. C'est ça qu'il fallait casser. Ah dis donc, hein, je m'en souvenais plus du tout. On a récupéré des missiles. Wow. Déjà que je me souvenais qu'en mode normal ils étaient chiants. Ok. Là on peut avancer. Là maintenant c'est bon. Donc on va pouvoir passer les portes rouges, si je dis pas de bêtises. Exact. Nice. Salut les guêpes là. Aïe. S'il vous plaît. Arrêtez. Ok, c'est bon. Non, pas ici, y a rien à faire. Voilà, c'est quand on retombe. Oh,
Ok. Nice. Calmez-vous, ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Il y en a un autre, normalement, je crois bien. Il est là-bas. Elle dégage. Merci. Eh bien, il y en avait un autre, je les entends. Ok, on peut rien faire ici. Il est où? Il est où le nid? Je les entends popper, mais je vois pas d'où elles sortent. Elles sortent de là-haut, donc je peux pas vraiment les voir. Ok, bon. C'est quoi ça? C'est le nid de guêpe que j'ai détruit. Ok. Donc là, faut que j'arrive à activer un mécanisme. Bah, il est juste là. C'est vrai que les mécanismes dans ce jeu sont plutôt bien cachés. Ok, on recommence. On recommence. Ah, c'est toujours pas bon. Tiens. Ah, ça devrait être bon là. Boum. Nice. La porte. Et puis c'est tout. Très bien. On va changer de zone. Bah, la dernière fois que je l'ai fait ce Metroid Prime, c'était pendant le Metroid Revenge. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai fait. Un peu moins de 2 ans. Nice, j'aime bien. Bah, du coup, là où ils sont sortis, il y a un point de sauvegarde. Yes, sauvegarder. Par contre, pour le coup, quand je suis allé au Metroid Revenge pour faire Metroid Prime 2, j'avais pas du tout révisé. Hein. Ok. Et là, en stream, pas besoin de réviser. On redécouvre. On prend notre temps. Mais c'est dégueulasse. Oh oh. Ok, les monstres se font totalement transformer. Hein. Et par défaut, les monstres là qu'on attaque sont pas si puissants que ça, mais dès qu'ils se font transformer comme ça, ils deviennent beaucoup plus résistants. Ok. Autour du plus gros. Calme-toi. Tiens, tiens. Ils sont pas transformés en machine. En fait, c'est une, c'est le côté obscur de la planète qui a été corrompu. On apprendra plus tard pour comment et pourquoi. Et du coup, bah c'est la seule prix qui viennent les attaquer. Et la plupart des monstres ont leur transformation comme ça. Allez.
Quel bizarre ce Metroid par rapport aux autres quand on avait eu du 2D. Ah bah c'est pas la même chose, hein. Et pour être totalement franc, je préfère les versions 3D que 2D de Metroid. Alerte système, vous venez d'obtenir un objet inconnu. La technologie alien a infiltré le système d'armure. Analyse de menace terminée. Aucun impact négatif sur les performances de la combinaison. Bon bah, tout va bien alors. On va monter. En tout cas, j'ai passé plus de temps à jouer au Prime qu'au jeu 2D. Enfin, après, tu me diras, j'ai passé énormément de temps aussi à faire Fusion. Hein. Fusion, je l'ai tellement fumé. N'aie pas peur, je suis Humos. La sentinelle des Luminos. Écoute-moi bien, écoute-moi maintenant. Je dois t'avertir des dangers qui te menacent dans notre monde. Il y a longtemps, un objet cosmique est venu s'écraser sur notre planète, Aether. L'explosion incroyable qui s'ensuivit, a ouvert une brèche dans le continuum espace-temps. Et une force étrange s'est répandue sur notre planète. Rien que ça. Là où autrefois il n'y avait qu'un monde, il y en a maintenant deux. L'un fait de lumière et l'autre de ténèbres, chacun existant dans sa propre dimension. Aether ne connut plus la paix, car une nouvelle race avait vu le jour dans le monde des ténèbres. Une race puissante et remplie de haine. Les Ing. Les Ing. Je crois que c'est Ing qu'on dit. Je sais plus si on dit Ing ou Ing. Je vais dire Ing. Les Ing sont des créatures lugubres qui ne connaissent ni la paix ni la pitié. Nous avons combattu pendant plusieurs dizaines d'années. Mais nous sommes aujourd'hui sur le point d'être vaincus. La naissance du monde des ténèbres a divisé l'énergie de notre planète en deux. Une moitié pour notre monde, l'autre moitié pour la tuer. Pour le leur, pardon. J'arrive pas à lire, c'est terrible. Si l'un des mondes venait à prendre le contrôle de cette énergie, l'autre monde serait perdu. Salut Tyrol. Avant ton arrivée, les Ing s'étaient emparés d'un de nos appareils permettant de recueillir l'énergie de la planète. Grâce à lui, ils ont affaibli notre monde. Et nous sommes sur le point de disparaître. Mais aujourd'hui, la chance nous a souri. Car le module de transfert d'énergie est désormais lié à ta personne. Grâce à lui, tu peux nous aider. Aide-nous à sauver notre monde. Tu es notre seul espoir, Samus. Oh, il sait comment je m'appelle. Si nous échouons, les Ing chercheront une autre planète à conquérir et à détruire. Et votre espèce pourrait bien être leur prochaine victime. Les Ing ont transporté leur énergie dans trois temples situés sur les terres sombres. Trouve ces temples et transfère l'énergie de leur monde vers le nôtre. J'ai inscrit l'emplacement d'un autre temple sur ta carte. Ce temple renferme un savoir qui t'aidera dans ta mission. J'ai également mis à jour ton module de traduction. Tu peux désormais accéder à nos systèmes et communications. L'ouverture des portes marquées d'un hologramme violet. De nombreux territoires te sont désormais ouverts. Et commandés. Sois sur tes gardes. Les Ing savent maintenant que tu possèdes le module de transfert d'énergie et ils chercheront à le récupérer à tout prix. Reviens me voir lorsque tu auras ramené l'énergie à un temple. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Plus la lumière, Taser, guidez tes pas. Énergie entièrement rechargée, très bien. Bon, eh bien voilà,
on était venu en mission pour voir qu'est-ce qui s'était passé sur cette planète et me voilà être obligé de sauver la planète. Si on y arrive, évidemment. On verra bien. Bon, allez, journée normale, ouais. Alors voilà, maintenant qu'on a appris à traduire les modules violets, on peut passer. Ok. Ok. Bon, je l'ai récupéré. Nice. Et let's go. Voilà, ça on va pouvoir l'ouvrir. Et c'est là où on était tout à l'heure. Hein. C'est là où c'était fermé. Ok. Donc maintenant, il faudrait qu'on passe par là. Monsieur HL est libre. Et la porte est fermée là-bas. Faudrait que tu bosses normalement. Bon, je te rassure, on va pas jouer trop longtemps cet après-midi. Hein. J'ai pas beaucoup dormi. Du coup, je suis claqué. J'arrive pas à viser. Ok. Non. Dégage. Non. Dégage. Merci. La porte elle est là. Ah. Réserve d'énergie. Ok. Par là, je suis pas sûr qu'on puisse faire grand chose. Non, faut reprendre le passage là-bas en fait. Ouais, par ici. Dégagez, dégagez. Ok. Et du coup, normalement ici, il y a un portail qui est fermé. Enfin, il y a une zone qui est fermée. En bas. Là, voilà. Très bien. Avançons. Ok, donc là, il y a rien qui m'attaque, donc c'est bien. Nice. Alors j'ai pas regardé sur la map. Bah le 100% scan est déjà fait HL. Vu que c'est la partie que j'ai repris de... Enfin c'est la partie que j'ai repris. C'est la même console sur laquelle j'ai déjà terminé. Le jeu. Il n'y a que quand on fera Metroid Prime 3 où j'aurai pas du tout, pas du tout d'analyse par contre. Donc voilà, j'ai déjà 100%. Donc j'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça. Ce qui est plutôt une bonne chose. J'y arrive pas. Hein. Faudrait que je me mette correctement sur ma chaise déjà, ce serait pas mal. Voilà.
désert d'Agon. Calme-toi. Calme-toi. Voilà. Il est mort. Donc là-bas, il y a le point de sauvegarde. Juste là. On sauvegarde Pépère. Il me semble qu'on pouvait passer par là, ouais. Je crois pas que ça va nous servir à grand chose par ici. Non, parce que là il va falloir qu'on ait le... la bombe de vitesse ou une connerie comme ça. Non, même pas. On peut passer par ici, ok. C'est pourquoi? Ah, c'est pour une réserve de missiles. Mais je peux pas la récupérer maintenant, celle-là. On va se commencer par un dispositif, donc ce sera derrière que je vais pouvoir le chercher. Et de derrière, on pourra passer par là. Et hop, tranquillement, on arrivera ici. Si tu veux. Je crois que je dois remonter par là. Là, c'est de là où je viens, hein, ouais. Ok. Donc on refait le tour. Bah, c'est par ici. Passer là, là, là. Ok. Missile. Donc ça, je peux toujours pas la prendre, hein. C'est orange, on a appris que le violet. Oui, si vous voulez. C'est comme ça. Et la porte là-bas, on y va. J'ai pris normal, HL. C'est pour ça que je m'en fous si je me fais toucher par eux là. Ah oui, là il faut les bombes de puissance. C'est eux qui gagnent. J'ai pas voulu prendre un autre niveau de difficulté. J'aurais pu prendre vétéran. Hyper mode c'était hors de question parce que hyper mode j'ai ragé quand j'étais sur Prime. Et à mon sens c'est ridicule ce mode de difficulté. Donc je ne le ferai pas, ça m'intéresse pas. C'est juste pour tryhard 150 fois sur les mêmes monstres parce qu'ils ont beaucoup trop de points de vie pour rien. Moi l'hyper mode il me dérange. Parce que je trouve ça ridicule d'avoir... enfin, de buffer les mobs pour qu'ils aient un milliard de points de vie et que les combats se... que les combats prennent 3 heures au lieu de 20 minutes. C'est surtout ça moi qui me dérange.
Bah ouais, mais je trouve pas que c'est de la difficulté rajoutée en fait, c'est... Enfin non. Pour moi c'est pas de la difficulté, c'est ridicule. Ah ouais non, j'ai pas la bombe de puissance, je peux pas ici. On passe par là-bas? Non. Bah attends. Faut analyser ça. Mais faut activer ça d'abord. Donc il faut bien les petites bombes. Ça s'ouvrira avec ça de l'autre côté. Ouais, là par exemple, je te suis... Chibi. Je préfère que le mob il me touchote que je mette 107 ans à le buter en fait. Et là d'accord, je veux bien essayer d'esquiver le plus possible pour pas crever. Que d'essayer d'esquiver pour pas crever et en plus de devoir le taper un milliard de fois de plus que d'habitude. C'est juste chiant en fait. Ok. Ah! Bon bah c'est bien. Dans Metroid Prime, c'est difficile d'esquiver. Ouais, mais c'était pas une bonne idée non plus de mettre des boss avec un milliard de points de vie en fait. Après, c'est que mon avis, hein. D'autres personnes aiment ça. Moi personnellement, j'aime pas. C'est pour ça que l'hyper mode, je l'ai fait une fois, juste histoire de pas mourir bête quoi. Et de dire je l'ai fait. Mais je ferai pas l'hyper mode sur les autres Metroid Prime. Ça, c'est hors de question. Vas-y, mets tes bombes partout, je te dirai rien. Calme-toi. J'arrive pas à le toucher. Ok. Voilà, à la fin, j'y suis allé un peu à l'arrache, hein. C'est ce qui nous manquait. Les bombes de boule morphing. Voilà.
Nice. Bah super, la réserve de missiles a disparu sous mes yeux. Ouvre la porte. Merci. Du coup, vu que tu n'as récupéré les bombes, maintenant je peux. Voilà, je peux sauter directement avec la Wiimote. Très bien ça. Alors, ici, non, c'est pas ça que je veux scanner, c'est ça. C'est ça que je veux scanner, s'il vous plaît. Voilà. Non? C'est pas ça alors? Ah, c'est ça là-bas. Je crois. Oui, c'est ça. Oh, je bois un coup, j'ai l'impression d'avoir crié toute la nuit. Bienvenue, je suis Isha, la sentinelle du temple d'Agon. Puisse ce message aider après ma mort ceux qui affronteront la horde Ing. Le portail conduisant à l'éther sombre se trouve tout près. Emprunte-le pour te rendre dans ce monde. Tu dois trouver l'emplacement d'un temple sombre, réplique macabre de ce lieu sacré. C'est là que repose le contrôleur d'énergie que tu recherches, que tu cherches. Trois serrures commandent l'ouverture de la porte du temple. Les clés de ces serrures sont cachées quelque part sur cette terre sombre. Ta quête sera difficile. L'atmosphère de l'éther sombre est très toxique et peut être fatale, même pour le plus fort des guerriers. Au cours de nos luttes passées avec la horde Ing, nous avons placé des cristaux de lumière dans leur monde. Ils y demeurent encore aujourd'hui. Ces cristaux créent des bulles d'atmosphère respirable qui te protégeront de l'air toxique de l'éther sombre. J'ai mis à jour ton module de traduction. Tu peux désormais accéder à nos systèmes et ouvrir les portes marquées d'un hologramme de couleur ambre. De nouveaux territoires te sont désormais ouverts. Merci, Alien. Une fois que tu auras récupéré l'énergie du temple sombre, reviens ici au plus vite. Très bien. Puisse la lumière des heures éclairer ton chemin. Ok, énergie entièrement rechargée, très bien. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire d'ailleurs avec Samus et son fameux pouvoir contrôler des Metroids. Parce que c'est insane le pouvoir qu'elle a maintenant avec ça. Hein. Je vois pas ce qu'ils pourront faire. Parce qu'à mon avis, le pouvoir... que Samus a de se transformer avec le pouvoir des Metroids, justement. Ils vont probablement rendre ce pouvoir assez rare à utiliser. Esquivez. Vous ne m'aurez pas. Ça va bien se passer. C'est Tekin. Voilà, on peut rien faire. Je peux pas passer. Ok.
Réserve de missiles. Pour toi, elle ne l'a plus. Bah, dans Metroid Prime 3, le Phazon, elle l'a plus. Pourquoi? Parce que le Phazon s'est barré, en fait. Là, le problème, c'est que l'ADN de Metroid, elle est en elle. Elle peut pas l'enlever. Son pouvoir de Metroid s'est déclenché quand elle a eu un danger imminent. Peut-être que ce pouvoir-là se déclenchera uniquement en cas de danger imminent, j'en sais rien. C'est pour ça que je dis que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça, parce que, en fait, il est tellement fumé, ce pouvoir, que dès que tu l'as, t'es imbattable, quoi. À ce soir, Alexis. Enfin bon, on verra, dans 15 ans, on aura la suite. On en parlera à nos enfants quand on en aura. Salut toi, pirate de l'espace! Tu m'avais pas manqué. C'était violent. Mais non, Metroid Prime Card, il sortira en 2023, une connerie comme ça. Là, j'ai vu que sur Twitter, ils cherchaient encore des un lead producteur ou je sais plus trop quoi. Encore un gars pour bosser sur Metroid Prime 4, en fait. Ils en cherchaient un. Donc on verra, je sais pas. Good. Clac. Encore des saloperies. Voilà, c'est bien. Oui. Ça passe. Ah ah. Je crois que ça fait mal ce laser, non? Non. On voit juste rien. Mal aux yeux d'ailleurs. Allez, c'est activé maintenant. Voilà. Je vous rassure, ça me fait mal aux yeux aussi. Hein. Quand je disais ça fait mal, c'est dans le sens où je prends des dégâts. Je me suis toujours fait cette remarque d'ailleurs quand on se téléporte.
quand on se fait quand on passe d'un monde à un autre, on devient des microparticules qui se déplacent, des microparticules d'une certaine couleur, et on garde les mêmes couleurs qu'on ait cette combinaison ou une autre, quoi. Le souci du détail, et moi je l'ai vu, et ça me dérange. L'atmosphère de la partie sombre d'Ether est dangereuse. C'est vrai ça. Les zones sûres, brillantes, vous protègent l'atmosphère, très bien. Je prends du dégât et puis c'est tout. Hein. Voilà, puis en plus je régène un peu. On y va, on y va. J'ai pas peur moi. Xia, 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 Xia. Xia, tu te battes toi là-haut? Tu vas pas te battre, non? Tu vas pas te battre, t'es mort. Ok, dégage. Dégage qu'on a dit. Ça va, je perds pas grand chose. Oh, point de sauvegarde. Let's go. Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est l'armure de lumière qui nous permet d'avoir zéro dégâts. Tiens. Oui, calme-toi. C'est bon? C'est bon. Là, bon, on passe pas. Il faut le rayon ombre. Le rayon sombre. Rayon ombre. Oh, salut toi. Il se déplace avec sa lumière. Ok. Bouge pas, petit bonhomme. On y va. Oh, je prends du dégât. Aïe aïe aïe. C'est bon, on y va. Let's go. Bien. On va encore se battre contre des méchants. Saloperie. C'est une saloperie ça. Gardien sauteur. Calme-toi. Ouais, mais alors non. Vas-y, décède. Bien vu, bien joué. Ah, j'ai plus de missiles, ok. Mmh.
C'est un peu chiant. Où est-ce qu'il s'est barré? Je l'ai pas vu. Et là. Il faut arrêter de sauter là maintenant, hein. Voilà. Je peux relock dès qu'il saute. Oh, j'ai pas essayé. Ah, saut spatial. Ah bah oui, forcément, c'était le... le truc qui saute. Ok, déjà, de la vie. 5 missiles, c'est bien. Donc saut spatial, on va pouvoir le récupérer. Et ça, ça fait plaisir. Parce que pour l'exploration, c'est plus plaisant quand même. Double jump. Nice. Non, rassure-toi, le jeu est loin d'être court. Hein. Ok, nous retourner là. On a fait le tour du monde en fait là. Donc c'est bien. On va pouvoir reprendre le portail. Hein. Ouais, je me souviens que dans ce jeu, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Hein. Puis là, pour le coup, les bestioles qu'on est en train d'attaquer sont considérées comme des boss au début. Mais on va en rencontrer plein par la suite, en fait. Calmez-vous. Passe par là du coup. Et voilà, c'est là où on était la dernière fois. On était derrière tout à l'heure. Récupère ça, missile. Allez. Voilà. On se regarde. Ouais, il était un peu plus costaud celui-là. Mais le premier qu'on a vaincu avant qu'on batte celui-là faisait partie de ceux qu'on allait rencontrer assez souvent là-bas. Hein. Alors. Il y a un truc que j'aimerais récupérer. Alors déjà on peut passer par en bas. Mais c'est pas par en bas que j'aimerais passer tout de suite. Il y a un truc que je vais aller chercher.
Je crois que c'était par là-bas qu'il fallait que j'aille le chercher justement. C'est ça. Ah là, une petite réserve d'énergie. Ok. On peut avancer alors. L'énergie en plus, c'est oui. Et la petite bombe là, voilà. Et la map. Nice. Donc on va passer. Alors au-dessus on peut pas passer tout de suite. On peut reprendre l'ascenseur. Là-bas c'est fermé donc on peut y accéder. A mon avis on peut passer par là maintenant. Vu qu'on peut sauter plus haut, donc on va passer par là. On va prendre la porte là-bas. Hein. Ah où? Ah bah non, c'est pas par là qu'il faut passer. C'est par où? Ok. C'est là-haut. Bah celle où on était passé en fait tout à l'heure. C'est ça, hein? Oui. Ok. Donc par là-bas c'est pour un item. Allez oui, votre réagit, voilà. Nice. Ok. Next. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Du phason! Mais calme-toi, vas-y, missile là. On se calme. Donc oui, ça c'est des barils de phason. Présence d'énergie phason. Ça enlève beaucoup de points de vie en vrai, hein. C'est plutôt violent. Ouais. Si j'avais fait péter les barils avant qu'ils me voient, ils auraient été dissous. C'est bon? Non, y'en a d'autres.
Saloperies de pirates, ils sont partout, hein. Ok. Et il y en a d'autres. Oh, j'avais oublié ça. Comment je les explose déjà? Comme ça. Voilà. Ok. Tu viens de voir l'analyse la plus chiante à avoir de tout le jeu. C'est laquelle? La plateforme de troupes. Ah ouais, j'avoue. Ok, poussez-vous. Les pirates de l'espace vont de l'autre côté, hein. C'est pas encore trop pourquoi, mais bon. Ouais, il me semble bien que j'ai loupé un truc, hein. Par contre, on ira le chercher après. Voilà. Il est où l'autre? Ils sont en bas? Ah, salut. Ah, la porte s'ouvre, ok. Donc il restait que lui dans la zone. Salut toi. Mais dis donc. Incroyable. Très bien. Donc Dark Samus est passé. Dark Samus est dans le coin. Il faudra faire attention. On passe pas par les trous, hein. Non, tu passes pas par les trous ici. Je sais plus s'il y a des trucs à analyser là pour activer des trucs. Des trucs pour faire des trucs. Eh oui. Non, il y a rien à faire là. On a ouvert les portes qui étaient fermées. Bah c'est pour aller là-bas. Calme-toi. Oui, c'est bon, laisse pas passer. Ah oui, ça. Boum. Croiseur de la classe Colibri. Voilà, ça l'a analysé instant parce que je l'avais déjà analysé, donc ça m'a ouvert directement le dossier de recherche, mais... Ouais, je me doute bien que ici, si tu fais pas attention... Le temps d'analyser le truc, le bordel est déjà parti, quoi. Y a plus personne ici? Non.
Ok, donc là on a plein de Metroid qui traînent. Salut toi. Je suis tombé. Respectez-moi. C'est bon. Non, je peux pas aller casser ce truc-là. Et analyser tout ce qui est à portée d'analyse sans bouger, ouais. Calmez-vous les Metroids. Je me souviens avoir passé pas mal de temps à analyser tout ça quand j'avais fait mon let's play sur YouTube. Ah, à l'époque j'habitais encore en région parisienne je crois. Purée. Je crois que le premier Metroid Prime, j'ai dû le tourner dans mon premier appart. Le deuxième dans mon deuxième. Et le troisième, j'allais le faire dans mon troisième. Oh. Calmez-vous. Ah. Monsieur Shadow, bonjour à vous. Et quatrième, on sait pas. Ah bah non, hein. On sait pas. Le quatrième, en tout cas, à mon avis, je le tournerai pas là où je suis. Ah, le troisième, techniquement, Shadows, je l'ai commencé dans le troisième appart. Parce que j'ai deux épisodes dans la boîte qui sont jamais sortis. Mmh. On va commencer. T'as vu un aperçu? Ouais, il me semble que je t'avais montré. Ça, je veux bien. C'est pas ça. Ok. On va récupérer la réserve d'énergie là-bas. J'avoue que j'ai la flemme de sortir la Wii U pour y jouer. T'inquiète, Nintendo va sortir une petite trilogie sur Switch là. On l'espère tous. C'est non ça. Et bévelé. J'avoue que de base aussi, j'aime pas laisser des trucs non analysés, mais bon. Là, je vais quand même pas m'embêter à tout analyser alors que tout est déjà analysé, quoi. Oh là là. Vite. Vite! Ah, ça passe. Vite! Ça passe. Point de sauvegarde. Ok. En fait, quand tu découvres un Metroid Prime,
Tu es à 80% du temps du jeu avec ta visée d'analyse. T'es jamais avec ta visée normale, hein. T'es constamment comme ça. Tout le temps. Sauf quand tu repasses dans les salles que tu as déjà visitées, évidemment. Évidemment. Ah. Salut toi. Ah oui, si tu veux le faire à 100%, ouais. Si tu t'en fous et que t'avances juste droit dans le but, bon, en effet, on s'en fiche. On va où là? Merci. Oh, mais oui, ça va être sympathique ici. J'imagine en hyper mode. Hein? On aurait été en hyper mode. Là, il est 15h30. À 16h, on avait terminé le combat. À plus tard, chose. Oh là là, c'est tellement stylé. Nice. Elle est super énervée, j'arrive pas à la viser. Voilà, des super missiles, hein. Ah là. Ouf. On a vaincu Dark Samus. On est trop fort.
Alors du coup Dark Samus, c'est la première fois qu'on la croise en personne. Mais la première fois qu'on croise Dark Samus, enfin qu'on voit Dark Samus, c'est à la fin du premier, comme disait HL, qui laisse sous-entendre qu'il va y avoir quelque chose. Le rayon sombre! Ah, il est stylé aussi le rayon sombre, hein. Oui. Ok. Nice. Il n'y a rien à faire par ici, hein, donc on va avancer par là. Rien à activer. Alors, rayon sombre, on a une réserve limitée, hein. Donc, on va pas s'amuser à tirer qu'avec ça. Alors, sont où les méchants? S'en bas? Ils sont derrière. Belle esquive. Maintenant, faut s'arrêter. Il n'y en a pas qu'un, il y en a d'autres. Où sont les autres? Toi, t'as esquivé. Oh là là. Bonjour. C'est bon. Disparu. Ah oui, du coup, ça. Un petit réclurion, on semble pour y aller. C'est nice. Mais Dark Samus est aussi présente dans l'autre timeline. C'est deux entités différentes créées différemment, si je me trompe. Dark Samus apparaît à la fin du Metroid Prime et est détruit à la fin du Metroid Prime 3. Donc spoiler, on l'aura pas fini aujourd'hui. Après, il n'y a plus Dark Samus. T'as le Saïx que tu ne rencontres qu'une seule fois dans Metroid Fusion. Et après, tu en vois plus. Je crois pas qu'on voit d'autres. Dead, dead. Yes. Tout cas, là où il y a la clé, c'est ça qui nous intéresse. Oui, Saïx, quoi. Bah, arrêtez de bouger. Ok, bon. Ok, et eh bien. Allez, on prend la clé du temple sombre.
Calme-toi. Calme-toi. Là-bas, il n'y a que des portes blanches, hein. Ouais. Donc, il n'y aura pas grand-chose à faire ici. On va continuer par là-bas du coup. Et du phason encore. Je viens de battre. Vas-y, viens de battre. Oh, super. Oh, je me casse, hein. La porte, s'il vous plaît. Merci. À gauche. À gauche, à gauche. On peut pas y aller parce qu'il nous faut le rayon de lumière. On va aller à droite, hein. Nice. Ok. J'ai un peu visé au-dessus, mais c'est passé. Point de sauvegarde. Ouais, peut-être que t'as confondu le SAX avec Dark Samus. Mais moi je vais continuer à dire SAX. Hein. J'aime pas dire SAX. J'ai toujours l'habitude de dire SAX. Le SAX. Cassez-vous. Laissez-moi passer. Ah! Ça pique. Tu sais, quand t'es jeune et la première fois que tu fais fusion quand il sort et que tu vois marqué SAX, tu lis SAX en fait. Tu lis pas SAX, enfin tu dis pas SAX. Enfin, en tout cas, moi j'ai toujours dit SAX. Et de toute ma vie, c'est la première fois qu'on me dit qu'il faut pas dire SAX. J'ai 33 ans, je suis un vieux con, je vais continuer à dire SAX. Il va y en avoir d'autres. Je vais suivre les plateformes là-bas. Ok, il en reste un. Faire attention à le phason, parce qu'il n'y en a pas le tout là. Mmh. Oui. C'est dangereux, je sais. Mais j'y vais. Ok, c'est dans la zone où il y avait les métroïdes là.
Trop de bestioles. Ok. Y'a plus rien. Nice. Et le rayon de lumière. Pourquoi il va râler, Epoxide? Pas viser ça sur le côté? Quoi ça? C'est incroyable de pas viser ça sur le côté. Bon, faut que j'arrête de tirer dans le vent parce que c'est quand même des les rayons ça. Allez, tirez-vous. Tiens. Tiens, c'est qui me tire dessus là? Oh, suffit hein. Ok, bon je vais pouvoir prendre cette porte là. Ok, obligé d'utiliser ce rayon là. Ça, je me souvenais qu'il fallait tirer avec le rayon opposé pour avoir des recharges. Tiens. On va passer par là, du coup. Absolument. Tous les coups, faut passer par au-dessus, non? Allez, laissez-moi tranquille, là. Je passe, peur de rien, on y va. Une autre clé, elle va se faire bouffer. Eh bah ouais. Aïe aïe aïe. Ils sont nombreux. Calme-toi. 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 Mais dis donc, ça vise mal, hein. Allez, on recharge. Avec un de moins. Dis donc. Voilà. Ok.
Décède? Merci. Chez. Il s'est fait éclater. Avec le rayon de lumière. Avec le lock, le rayon de lumière est auto-guidé à mort. Ah ouais? J'ai pas eu l'impression qu'ils étaient envoyés au bon endroit, moi. Bon, en tout cas, cette zone-là est finie. On va juste recharger un peu nos rayons. Voilà. Voilà. Voilà, nos rayons sont chargés. Plus ou moins. On y va. Laisse-moi passer. On va continuer notre chemin vers le noir là-haut. La porte sombre. On récupère pas notre santé. Plus vite. Hein. Oui, alors, oui, non, c'est non, ça. Merci. Hein? Parce que bon. C'est après où il y a la porte à gauche où je crois qu'il y a une réserve à récupérer. Ou un point de sauvegarde. J'ai oublié. Ah, une réserve. Ah non, c'est une recharge. Rien à voir. Bon, il y avait un truc comme ça, ici. Je savais plus c'était quoi. Quand tu lock pas, il se spread. Ok. Bah, j'ai eu l'impression d'avoir locké l'ennemi avant de tirer quand même. C'est la tête des locks. Bon, toutes ces portes-là, on les a passées, on n'a plus rien à faire, donc on va pouvoir aller prendre le portail. On a un point de sauvegarde là, mais on a un portail ici. Bah, je crois que le portail, on peut l'ouvrir maintenant qu'on a le rayon. Absolument. Cassos. Ok, on va aller sauvegarder. C'est par là-bas pour sauvegarder, absolument. Ouais, c'est là. Yes. Voilà. Alors si on continue notre chemin par ici, c'est non. On va reprendre par là, étant donné qu'ici on a la porte blanche qu'on peut aller prendre. Donc on y va. Merci. Porte blanche, elle est par là-bas. Hein. Yes. Ah, mais la porte blanche, je crois qu'il faut la boule araignée. Ouais, il faut la boule araignée. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit.
On va essayer de voir la porte noire là-bas. Je sais pas si on peut y accéder. Ok. Ouais, ça spawn encore ici, c'est normal. On n'esquive pas, mais on a... Oh, la porte! Merci. Merci. Ok. C'est donc ça. J'ai oublié qu'est-ce qui est efficace contre elle. Ah, et tout. Ça part sur un missile. Ok, on va pouvoir passer par là, ça va être une recharge, hein. Ouais. Recharge de missile. Juste le charger. Yes. On va passer par là. Par où on va partir maintenant? Parce que le blanc on peut pas le prendre, la porte ici. Peut-être la prendre de là. En tout cas, on peut prendre la porte noire. Quoi, faire demi-tour, hein. Faire demi-tour. Ok. Oui, calmez-vous. Nice. Alors, j'avais loupé une réserve par ici. Voilà, ça c'est fait au moins. Ok. Qu'est-ce que tu veux, le petit bonhomme? Tu peux pas me tirer à travers le sol. Laissez-moi tranquille. Je m'en vais. Nice. Par là-bas, du coup. Donc ouais, la porte là-haut, c'est pour ramener les clés de souvenirs. Mais il nous en manque. Il nous en manque une. Et donc on va aller voir si on peut les choper. Par là où on veut aller. Encore des saloperies. Faut aller où? Faut aller tout droit. Il y a la partie là-haut aussi que j'ai pas fait. Mais je pense que là on va plus tourner à droite. On va prendre cette porte là. Taïo! Faudrait qu'ici j'arrête d'y aller en mode YOLO. Hein. Faudrait que j'essaie de les buter avant. Ça serait bien. Ça serait bien. Passant par en haut, je pouvais avoir une réserve de rayon. Me souviens plus. On a une réserve d'énergie ici.
crois pas que j'ai accès à cette réserve d'énergie pour l'instant. Non. C'est non ici. Non, on va laisser tomber cette idée. Quoique là, ça peut peut-être se faire. Hein. Il fallait que je saute là. C'est chaud de faire ce saut là. Hein. Attends. Non. Laissons tomber. C'est très compliqué. Ça dégage ça. Mais du coup, j'étais passé par où? Par là? Ça dégage ça. Je suis sûr que j'ai moyen de récupérer quelque chose là. Hein. Le problème, c'est que je vois pas ce que je dois faire ici. Mais oh, c'est nul, hein. Fils de la plage. Pourquoi ça repop ces meubles-là? Au moins ça c'est fait. Donc du coup on peut pas passer par, par ce côté là. Faut aller en face. On a récupéré une réserve d'énergie au moins, c'est bien. Ok. Ah oui, là il y avait un truc là, non? Il y a un truc à faire ici. Je sais plus quoi. Et du coup, là, ça me ramène ici, donc je vais devoir tourner à gauche. Enfin, pour le coup, au niveau de la caméra, je vais devoir aller au milieu. Oh là là! Voilà, par là. Mais je peux pas passer non plus. J'ai que deux clés, on est d'accord. Hein. Je peux aller voir ici les clés. Banque de données. Pff, de toute façon, j'ai tout. Hein. Dégage.
Allez. On va y arriver. On va y arriver. Merci. Ouais, je l'avais entendu qu'il y avait une réserve, mais je voulais d'abord aller voir là où on doit aller. Et bah, je sais pas par où on va devoir passer maintenant. Il faut que je regarde la map. Parce que là, du coup, c'est pour choper une analyse, mais l'analyse, on l'a déjà. Alors. Ici, il n'y a rien à faire des deux côtés. Rien à faire des deux côtés. Violet, on n'a pas accès. Et que cette porte bleue qu'on n'a pas fait encore. Faudrait essayer de passer par là. Ah mais là je sais pas où il est ta réserve de rayon. Là ça me dit rien du tout. Du coup, faut passer. Le violet c'est non, ouais, donc on va aller à gauche. De la porte ici. Super ça. Ok. Dégage. Salut Twitcher. Ok, on va monter à droite là. Passer par là plutôt. En haut on est déjà monté. Ah oui non, là-bas on peut pas y aller. J'ai oublié qu'on pouvait pas y aller. C'est fermé là. C'est fermé là. Si j'arrive à retourner ici de l'autre côté, c'est bon en fait. Juste que je prenne le portail qu'il y a là. Donc demi-tour. Je suis tombé. Oh là là. Oui, ça se passe bien pour le moment. Et oui, la plupart des Metroid sont très très bons. Hein, donc, peu importe leur âge. Hein. Même le Super Metroid sur Super Nintendo qui est très vieux. Et très très bon. Ok, il est pas mort avec deux missiles. Cool. Mais c'est pas possible, ils sont increvables. J'arrive pas à le viser. Merci. Ok, ça va bien se passer là. Je sais pas où j'étais. Passer par où du coup? Ok. Là je suis sur la Wii U et même si j'étais sur GameCube, je peux capturer la GameCube. Je peux même capturer la Super Nintendo et la Nintendo 64 si j'en ai envie chez moi. Donc non, je suis pas sur émulateur. Je suis sur la console.
on va aller prendre le portail. Et des nids de guêpes. Aïe. Ok. Donc ouais, je le capture avec un Naver Media Extreme. Comme ça que ça s'appelle. C'est que la qualité est 10 fois meilleure que sur celle de Sperm Galaxy 2. Je trouve pas, hein. Je trouve que c'est pareil. Je trouve qu'il n'y a pas de changement. Alors du coup, il y a une porte noire aussi qu'on pourrait aller prendre ici. C'est peut-être un peu plus fluide, je dirais. Ça, je pourrais pas dire le contraire. Mais sinon, en termes de qualité, non, pour moi, c'est pareil en fait. Ok, donc il y a une porte sombre en hauteur. On peut pas y aller. Si, par là. Bah, c'est un point de sauvegarde. On va rester sur notre santé au moins. Voilà, je trouve qu'il y en a encore beaucoup de l'aliasing, hein. En tout cas, de ce que je vois moi avec mon écran, je sais pas ce que ça se fait. Oups, je sais pas ce qui se fait sur OBS, mais. J'en vois pas mal, hein. Tout droit? Ouais. Ouais, par ici. J'ai vu qu'il préparait la sortie de Metroid Prime 4. Ça fait des années qu'il prépare la sortie. Enfin, c'est même pas qu'il prépare la sortie, c'est qu'il prépare le jeu tout court. Pour l'instant, il prépare pas la sortie du tout. Ah mais du coup ici aussi c'est fermé. Poussez-vous. Ils ne veulent pas décevoir. Bah c'est trop tard, hein. Ils ont déjà déçu. Dire qu'ils travaillaient sur Metroid Prime 4 et que du jour au lendemain ils recommencent tout. Ils ont forcément déçu beaucoup de monde, moi le premier, hein. Ok, donc on n'était pas passé par là. Ouais. Quoi? Y'a rien ici? Vraiment? Faudrait passer par la porte rouge, on n'y a pas accès. Le vert, on n'y a pas accès. Tirez-vous. Ok. Ah, réserve ici.
Bon, on sera pas passé pour la... Enfin, on sera pas passé ici pour rien au moins. Rien au fond, non. Bon, bah alors là. Faudrait passer. Parce que là-haut, le portail est bloqué. Merci Angelus pour le Prime. Bienvenue. Ouais, ici, le portail est bloqué. Et pour aller derrière, je suis obligé de passer par la porte rouge. Si on en croit le chemin qu'il y a là. Et ici, il y a quelque chose en fait. Pour y accéder ici. Oh zut. Oh, je vais pas m'y paumer avec les boutons sur la manette là. Ok, je suis où? Je suis perdu. C'est par là qu'il faut que je regarde. Ah, parce que ici il y a un boss. De l'autre côté. Mais je crois que ce boss là justement, c'est une fois qu'on a les quatre, enfin qu'on a les trois clés. Mais là j'en ai récupéré que deux des clés. Deux des clés qu'on a là. Oh, c'est terrible. Je suis vraiment obligé de me mettre dans une position à la con pour jouer. On va où là? Eh ben allez, on va aller là-bas. Qui est ici. C'est juste pour un point de sauvegarde ça? Non, c'est pour avancer, ok. Bon, il y a un moment, il va falloir quand même que je fasse attention à ma santé, hein. De l'arrière. Si je reprends le portail ici. Là-haut, j'y ai pas accès. Ah, mais est-ce qu'on y a accès par le bas ici? Je crois pas. Je crois pas. Parce que là après c'est pour remonter. Super, alors la map qui me fait n'importe quoi. S'il te plaît la map, arrête de faire de la merde. On est là. Ok. Donc là on remonte.
Non, on remonte pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, ça c'est pour remonter. Non, là-bas c'est pas pour remonter, c'est là où on met l'énergie. Je me trompe. Ce portail-là, on l'a déjà pris. Déjà, je vais attendre que mon énergie remonte, ça va être chiant, mais quoi que je devrais pouvoir trouver de l'énergie de l'autre côté facilement. Là, j'y vais au pif, hein. Le chemin. Juste esquiver les mobs parce que c'est chiant. Ok, ici. Il y a la porte là-haut. Là. Pas moyen de monter? Non. Là pour prendre de la hauteur, faut la boule araignée. Ou alors prendre la porte blanche là-haut. Ou alors ils sont où là? Ok, il y en a un là. Il a esquivé. Il est pas mort. Meurs s'il te plaît. Voilà. Et l'autre il est là-haut. Oh, please. Merci. Très bien. Donc l'ascenseur est là-bas. Ok. Pète ces trucs là. Tiens. Ah là, là on avance. Dis donc, faut arrêter de me tirer dessus les gars. Hein. Bon. T'as l'air d'être bon. Bon. Et on avance. C'est marrant parce que tout à l'heure quand je suis passé, j'avais vu cette porte et je me suis dit il y a un truc à faire avec ça. J'aurais dû insister un peu plus.
Faut peut-être que je pète ça du coup. Quoi? Ah, c'est bon. Voilà, fallait que je pète ça. Mais bon, finalement, c'est pas ici qu'on va avancer, je crois pas, hein. Parce que là, on va juste récupérer une réserve. Ouais, c'est ça. Donc finalement, on n'avance pas plus que ça. Non, je sais vraiment plus ce qu'il faut faire. Donc, on va aller sauvegarder. De toute façon, là, je suis en train de dormir éveillé, là. Jésus qui se ferme tout seul. Donc, on va arrêter. On va les sauvegarder. Et on continuera demain. Eh bien, évidemment, ça respawn. Bah oui. Ça spawn à l'infini, ces trucs-là. Hein. Lui, le point de sauvegarde. Il est là-bas. Ah, faut prendre cette porte là. Ok, faut monter alors. C'est la réserve dont tu parlais avant, d'accord. Ok, bah tu vois, j'avais oublié que c'était une réserve de missiles qui avait. Enfin, de. Rayons qu'il y avait là. En toute honnêteté, je croyais que c'était la suite du chemin. Allez. C'est là-bas. Ouais, c'est là-bas. Là, je l'entends. Je crois qu'il faut que j'enlève tout le sable qu'il y a là avant. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Et je pense que je vais aller dormir. Parce que là, j'en peux plus là. Du coup, j'espère que demain, je vais trouver le chemin. Parce que là, j'avoue qu'en regardant la map. Il n'y a rien qui me fait tilt. Que dalle. Bref, du coup, bah, je vous donne rendez-vous ce soir à 21h. Yes, ça marche, HL. On verra demain, du coup. Donc, on se retrouve ce soir à 21h en espérant que ça se passe bien. Que ce soit pas trop le bordel et que ça casse pas trop la tête. Bon, ça devrait bien se passer. Et demain, 14h, on fera la suite de... Metroid Prime 2. Donc une bonne fin d'après-midi. Et à ce soir pour ceux qui seront là. Sinon à bientôt. Bye bye.